En ta présence, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui est en train d'agir en ces lieux. Merci pour ton esprit qui est en train de nous fortifier. Merci pour ton esprit qui est en train de contrôler et diriger chaque chose en ces lieux. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Nous abandonnons le message de ce soir entre tes saintes mains. Fais-nous du bien, Seigneur, nous te supplions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer le Seigneur. On peut bien acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes toujours debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11, 25 à 26. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 25 à 26. On peut commencer au verset 24. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec les peuples de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vais lire une deuxième fois avant que nous puissions nous mettre pour une meilleure audition. Il est écrit ceci: c'est par la foi que Moïse devenit grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On peut acclamer la parole pendant que nous vous parlons. Mais écoutez ce que la Bible dit ici. La Bible dit quoi au verset 24 du chapitre 11, la Bible dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse, devenu grand. Répète après moi: Moïse, devenu grand. Moïse, devenu grand. Avec vivacité, Moïse, devenu grand. Moïse, devenu grand. Refusa. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. D'être appelé fils de la fille de Pharaon. En temps normal, c'était l'ingratitude. Quelqu'un qui l'avait sauvé, c'était la trahison. Quelqu'un qui l'avait sauvé, maintenant vous êtes en train de tuer tous les enfants des Hébreux. Quelqu'un qui t'a élevé comme son propre fils. Quelqu'un qui t'a donné accès à tout ce dont tu avais besoin, les meilleures informations. Il avait accès à toutes les meilleures relations. Il était en contact avec les enfants d'autres rois de leur époque. Notre sang va chérie, il y a un bon accès à la chérie, on te va dire à la. Mais la Bible dit, lorsqu'il devint grand, si quoi il tombe malade, il refusa d'être appelé fils de la fille des femmes. Ma prière après le message de ce soir, que tu grandisses et que tu refuses certaines choses dans le nom de Jésus-Christ de la parole. D'ailleurs, le message de ce soir, c'est je refuse. Répète après moi, je refuse. Je refuse. C'est pas je refuse. Je refuse. C'est un message méchant. C'est un message révolutionnaire. Bien aimé, il y a des choses, si nous ne les refusons pas, ça ne peut jamais nous quitter. Il y a des situations que si nous ne les refusons pas, bien aimé, les situations qu'on a dégagées pour ça, haïta kutokaka. Mais ce soir, je lève ma main droite et je déclare, tout ce que tu vas refuser va te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Le monde dont nous sommes en train de parler ici, j'ai commencé par vous montrer d'abord son background, vous montrer les genres de choses, les genres de bénéfices auxquels il était en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: oh, il refusa d'être appelé la fille de Pharaon. Les gens pensent que c'était un Hébreu qu'on maltraitait. Non, on ne le maltraitait pas, il était très bien traité. Il était préparé pour être le futur roi. Il avait beaucoup de bénéfices, il avait beaucoup d'intérêts. Mais la Bible dit par la foi, c'est ma par la foi. Par la foi. Il n'a pas refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'on l'a maltraité, parce qu'il traversait des moments durs. Non,
C'est pas. C'est moi, je refuse. Les gens, les choses, les moyens, ils voient la catalane, ils voient tout, ils voient tout, ils voient tout, la qualité, ils voient tout, ils voient tout, ils voient tout, ils voient. Les gens, les choses, ils voient tout, 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 ils voient tout. Il y a un adage qui dit, si tu veux obtenir quelque chose de bien, tu dois refuser des mauvaises choses. Amen, amen, amen. Si tu veux obtenir quelque chose de bien, tu dois refuser des mauvaises choses. Mais si tu veux obtenir quelque chose d'excellent, tu dois refuser quelque chose de bien. Si tu veux obtenir quelque chose de bien, tu dois refuser des mauvaises choses. Mais si tu veux obtenir quelque chose d'excellent, tu dois refuser des bonnes choses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à refuser des bonnes choses ici? Parce que c'est facile de refuser des mauvaises choses. Mais est-ce combien sont prêts à refuser des bonnes choses? Pour en partir à salaire, tu ne peux à 1000 balles. Mais la prochaine, à ton nom, millionnaire, vous vous donnez un exemple. 1000 dollars pour les cartes. Pour viser quelque chose de très excellent. Amen, amen. Alléluia. Je vais y arriver. Dans les précédentes, l'année passée, il y avait une série que nous avons traitée ici, c'était l'émergence des artisans. Combien de gens se souviennent de cette série? Dans cette série sur l'émergence des artisans, je vous ai dit, il y a quatre cornes de l'Afrique que nous devons briser. Il y avait l'esclavage, il y avait le colonialisme, il y avait. Mais il y a quatre cornes particulièrement pour la RDC que je n'avais pas partagées. Et les quatre cornes qui dérangent la RDC, et parmi les choses que nous devons refuser, il y a la corne de la pauvreté. C'est mal la pauvreté. La pauvreté. C'est parmi les cornes qui dérangent notre pays. C'est parmi les choses qui dérangent notre pays. C'est parmi les choses qui dérangent la RDC. C'est mal bien la pauvreté. C'est mal au décatal, Léo. C'est mal la pauvreté. La pauvreté. C'est une corne. C'est une forteresse qui s'est levée contre notre pays. La pauvreté. Deuxième corne, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Deuxième corne, c'est le tribalisme. C'est mal le tribalisme. Le tribalisme. D'ailleurs, avec l'élection passée, on a compris à quel point les pays sont rongés par le tribalisme. Même les résultats ont montré à quel degré les Congolais sont des tribalistes. Mais que cela ne soit pas ton histoire dans les noms de Jésus. Amen. C'est une corne. Les gens peuvent découvrir que c'est normal et tout, mais c'est une corne à détruire. Les tribalistes. Il y a un frère que je connais très bien. Il a été obligé d'aller épouser sa femme clandestinement parce que sa famille s'était déjà élevée dans ses mains. Celle est là. On ne peut pas épouser cette fille-là. Il dit comment? Famille Nashimama. Les gars, il a dit, hein, moi je vais épouser ma chérie. Il est allé épouser sans sa famille. Pour combattre la forteresse de quoi? Du tribalisme. On ne refusait pas la fille parce que c'était une fille. Omar, c'est légère ou qui a une mauvaise réputation. On l'a arrêté tout simplement parce qu'elle était d'une certaine tribu. Et il y a un tribu à Oaezio. Soit dit à Jésus. C'est moi, je refuse le tribalisme au nom de Jésus. C'est une corne. Donc, il y a des travaux, Seigneur. Tu ne peux pas accéder tout simplement parce que tu n'as pas un tel nom. Il y a des postes que tu ne peux pas atteindre dans ce travail parce que tu n'as pas un
tel nom de famille. Que cela cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est une deuxième corne. Troisième corne qui dérange notre pays, c'est la médiocrité. C'est ma la médiocrité. Médiocrité, c'est ma médiocrité. En tout cas, je suis trop écouté et tout. Ça va commenter la Bible, ça là, mais vous-même, vous êtes témoins. Regardez avec quel degré notre pays est victime de la médiocrité. En réalité, la médiocrité est non. C'est terrible. C'est terrible. Donc la médiocrité, il faut qu'au niveau moins naïf de moi. En tant qu'homme spirituel, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de normal, c'est une forteresse. La médiocrité. Et nous devons détruire cette médiocrité-là. Troisième corps. Quatrième corps, c'est la sorcellerie. C'est mal la sorcellerie. Les gens pensent que c'est de la blague. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la sorcellerie, ils viennent tout à vous filmer, ils vont digérer et tout. Écoutez, la sorcellerie est réelle. J'étais en train de parler avec un ami qu'on a bien dit, il encadre des enfants. Et parmi ces enfants, mais qu'on a encadré, il y a un petit moyen. Il faut savoir qu'il peut détraquer tout simplement. Pourquoi? Parce que les petits, c'est comme si leur père voulait quoi? Aller voir ma coute. Mais genre, pour renforcer ma coute, il fallait être pas là pour qu'il va vivre. Ça pour tout moment que vous bâle. Si on est content de vous bâle, que ça que tu gars, tout est. Ou les vieux madames, que vous avez dit que papa qui est quoi fou, n'a-t-il pas de fou. Vous n'avez pas de chapeauté. Vous avez dit que 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 vous. Frère, la sorcellerie est réelle. Tu vois déjà une famille qui a été détruite. Le père fait de moi, ben il ça m'a dit, il a détruit une famille. C'est mal la sorcellerie. Nous devons détruire la sorcellerie au nom de Jésus. Et c'est l'une des forteresses qui dérange notre pays. Mais ce sont des sorciers. Malgré les sorcelleries, on va plus dire qu'il y a ce qu'on a. Mais on nous a dans notre camp, vitamine K. Je vais vous orienter, il y a plusieurs choses que nous devons réviser, mais ce soir, il y a quatre choses que nous devons réviser. Amen, amen. Je vais vous montrer d'abord les quatre forteresses qui dérangent notre pays. Et ça, c'est sur l'échelle vraiment nationale. Ça n'épargne personne. Ou qu'on a ma veste, ou si pourquoi on a ma veste, ou qu'on a balaga déchirir, ou pas, ou qu'on a les personnes, ou bien en bas. Ces quatre cornes-là, ce sont des choses d'une manière ou d'une autre, inakou, bananka. Des fois, même, lorsque toi-même, tu ne veux même pas être pris par ça. Ça m'a donné une piste par rapport aux choses que nous devons refuser. Je vous ai dit ici, je ne vais pas vraiment beaucoup entrer dans beaucoup plus de détails, mais écoutez, Moïse, il est arrivé à un moment où il devait refuser. Et la Bible dit qu'il a refusé. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vous ai déjà expliqué. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous poussons ma Bible, ma bien, autant le voir dans mon pâti. La Bible appelle ça quoi? La Bible appelle ça quoi? Pour sauver chaque mouton dans la Bible. Pour mon pâti, éducation à bien. Pour mon fournir chaque magie. Pour mon dire que ça n'a pas eu ça dans la Bible. Péché. La Bible dit ceci au verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ici, Moïse n'était pas tout simplement en train de réviser que de mauvaises choses, il était aussi en train de réviser des bonnes choses. Amen, amen. Mais avant de t'amener à réviser des bonnes choses, nous devons d'abord réviser certaines mauvaises choses. C'est-à-dire, nous devons réviser d'abord certaines mauvaises choses. C'est ma vie, je dois réviser.
réaliser certaines mauvaises choses. Et il y a plusieurs mauvaises choses que toi et moi nous devons refuser. Amen, amen. Et parmi les mauvaises choses que moi et toi nous devons refuser, il y a plusieurs, mais Léo, je vais seulement t'enflammer sur quatre points. C'est ma vie. Les personnes vont t'enflammer sur quatre points. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord ramener sur les quatre cornes de la RPC. Parce que la plupart de ces cornes se retrouvent dans les choses que nous devons refuser ce soir. Amen, amen. La première des choses que nous sommes appelés à refuser, parce que je vais partir de ma quatre, il y a plusieurs choses. Oui, ils n'ont pas que tu vas développer. Mais ici, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quatre choses que nous devons refuser. La première des choses que nous devons refuser, c'est ma je dois refuser le péché. C'est la première des choses que nous devons refuser ce soir. C'est moi, je dois refuser les péchés. C'est moi, je dois refuser les péchés. Et vous savez, nous devons refuser les péchés parce que Romains 6, 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. C'est moi, je dois refuser les péchés pour que je puisse vivre. Je dois réviser les péchés pour vivre. À chaque fois que tu commets les péchés, tu es en train de mourir à petit feu. Je refuse que tu succombes encore sur les péchés dans le nom de Jésus-Christ. C'est moi, je refuse les péchés. Je refuse les péchés. Mais c'est-à-dire que le péché, c'est la mort. Nous devons réviser les péchés. Il y a plusieurs choses, mais c'est ça la racine de tout le monde, les péchés. Donc, avec les grammes, il a dit, vous savez, toutes les autres cornes là, tous les autres problèmes là, tirent leur force du péché. Oui. Oui. Toutes les mauvaises choses là, tirent leur force, leur racine du péché. C'est le péché qui engendre la sorcellerie, c'est le péché qui engendre la jalousie, les animosités. C'est le péché qui engendre toutes les moments de tribalisme. C'est le péché qui engendre toutes ces choses-là. C'est le péché qui engendre même la médiocrité. Oui. Oui. Voilà pourquoi nous devons commencer par refuser les péchés. C'est moi, je refuse les péchés. Toi-même, tu dois prendre la décision de refuser quoi? Le péché. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup traîner. La deuxième chose que nous devons refuser, la pauvreté. C'est moi, je dois refuser la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Vous savez, l'une des raisons qui fait parce que beaucoup de gens sont confortables avec la pauvreté dans le christianisme, c'est tout simplement parce qu'on nous a montré que non, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de l'argent. Oh, le message de prospérité là, ça vous conduit à l'enfer. Oh, oh, errez les pauvres, quand ils hériteront le royaume de Dieu, c'est fou et archi fou. On a dit les pauvres en esprit, on n'a pas dit les pauvres en argent. Mais les pauvres, elles sont dans le monde où vous faites un examen. Mais tu reconnais que sans Dieu, tu n'as pas de vie. Lorsque tu reconnais que sans Dieu, tu n'as pas de vie, imagine que tu as posé là, je suis pauvre, j'ai besoin de Jésus. Donc tu vas lire encore la Bible. Mais si tu as déjà lu la Bible, tu vas encore lire parce que toi, je suis pauvre. Tu vas prier, même si tu priais beaucoup, tu vas encore prier. Tu vas gêner, même si on a eu 14 jours, tu vas encore gêner. Mon élève, c'est très différent. Et puis vous serez choqué. Dans la Bible, Dieu a travaillé avec les hommes et les femmes qui étaient riches. Donc on va se dire à fonctionner avec les gens qui étaient riches. Ah oui, en bien besoin, Dieu a travaillé avec les gens qui étaient riches. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob, riche. La semaine dernière, vous détaillez parce que vous n'avez pas surpris, frère. Non, mais tu seras surpris. Tu seras surpris, Advine.
Moutoussa Isaac, la Bible dit qu'il était fort riche. Quelqu'un comme Abraham, il était extrêmement riche. Quelqu'un comme Jacob, lorsqu'il a envoyé ses enfants aller acheter, pas demander, aller à. Il avait beaucoup d'argent. Alors quand il a demandé Chaboul à Égypte, et il ne voulait pas aller à Égypte, il est allé parce que son fils était là. Mais avant je suis dans le coup. Il avait la capacité d'aller acheter la nourriture pour faire mourir plus de 70 de personnes. Il était riche. Tous les gens de David, tous les gens de Salomon, lui, nous n'en parlons même pas. Nous tous avons 5000 vaches, 5000 bœufs, comme ça. Fois 5000, fois. Combien nous avons 500. Fois 500, 500 dollars, fois 5000. Ah, fois 1000, c'est 1000. 500 fois 1000. Combien 500. Année pour comme ça. Moi, je m'en donne à toi 500 000 dollars. Je te donne cette grâce-là dans le nom de Jésus. Ah, je disais à qui je donne cette grâce. Non seulement il a construit les temples et tout, mais il est qu'il avait. Comme ça. Nani, ça ne dit pas qu'il m'a sacrifié, mais il a donné plus de 500 000 dollars. Il faut qu'on donne la vie, les frères. Ouais, moi, je ne peux pas dire que vous ne pas pour ma zapasse. Ah, que Dieu te donne cette grâce-là dans le nom de Jésus. Mais avant, je te voulais niveau, il faut qu'on nous demande déjà, on va faciliter pour pas dans 10 dollars. On va faciliter pour pas dans 10 dollars. On va faciliter pour pas dans 50 dollars. On va faciliter pour pas dans 100 dollars. Si on va dans un challenge, à challenge, à pas 100 dollars, il ne m'a pas. Alléluia. La Bible dit celui que tu fais dans les petites choses, il sera dans les grandes choses. Mais qu'on a martelé sur la pauvreté parce que c'est parmi les choses qui dérangent beaucoup de gens. Je tenais à toi pour qu'on va pouvoir berger si on a berger si on a transport. Et parmi la grâce que Dieu nous a donnée, sa grâce, c'est de combattre l'esprit des pauvres. Avec vos enfants, c'est vos pauvres. Alléluia. Écoutez ce que Romain dit. La Bible dit ceci dans Romain. La Bible dit ceci dans Romain, dans 2 Corinthiens, sorry. Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 8, 9. La Bible dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez en tous les hommes que Dieu disait étaient riches. Mais lorsque Jésus vient, on a comme l'impression qu'il était pauvre. C'est vrai, il était pauvre parce qu'il a dit, le fils de l'homme n'a ni où mettre la tête pour se reposer. Il était pauvre. Je n'oublie pas d'argent, ça n'a rien que ou l'homme et sa main qui doit chanter ma couteau. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Même si elle voit un cabinet. Mais il vient à te montrer les gars, il était pauvre ici sur la terre, tout simplement. Parce qu'il était déjà riche chez son père. Et aujourd'hui, il est encore riche chez son père. Mais lorsqu'il est mis sur la terre, il s'est fait pauvre. Pour que moi et toi ne puissions pas être des pauvres. Ça, sa pauvreté, mais lorsque toi tu es enfant de Dieu, donc pauvre. Il est pauvreté dans ton moquet à Wapi. En fait, il est pauvreté dans ton moquet à Wapi. C'est ma moquet quoi. Je vais même devoir esquisser la pauvreté. C'est moi qui refuse la pauvreté. C'est moi qui refuse la pauvreté. Je n'ai pas la pauvreté, mais on n'a pas la pauvreté. Moi, ta place, c'est que je suis maman. C'est moi qui refuse la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, je suis riche. Seulement Apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire fin du monde. Apocalypse veut dire révélation. Donc, il se dit, on est à Oufounou. Donc, c'est la révélation des choses qui sont là. Jean a vu comment je suis dans les révélations. Il a dit, il était en ceinture d'or. Akuna Bouchi, Akuna Sué, c'est dire à lui, c'est une édite qui a été tirée et c'est un nombre d'Apocalypse. Nouvelle Jérusalem, ma pavé d'or. Il faut avoir beaucoup d'argent, c'est mon bon ami, mais il y en a qu'on a ni pavé d'or. Mais il y a beaucoup d'argent qui m'a mal. Mais il y a beaucoup d'argent qui m'a pavé d'or. Où qu'on a les joues, c'est le pavé d'or. Comment tu as pas ici, Koto? Tu tiens au monde, pavé d'or. Où qu'on a les, c'est ma vie, mon cèdre, c'est ma ginapo. Nous t'entendons à Jésus-Christ. Parce que j'ai la pauvreté.
Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est moi, je refuse la pauvreté. Tu veux être pauvre? C'est moi, je refuse la pauvreté. C'est moi, je refuse la pauvreté. Une pauvreté, Dieu t'a choisi dans pour montrer à Paris du jour. Mon tour a si voté dans Paris, il a décidé. Mon tour n'a pas compagné. Mais sauf qu'il y a un gaillard, mon frère. Amen. Non, je n'ai pas la gaillard pour viser mes bagages. Amen. C'est ça le problème. Après, la faute, j'ai mal à l'envie. Écoutez, tout le monde a une accélération. On a dit qu'on a dit bon petit, mais on a dit que maman a Mercedes, c'est bien disable. Amen. La deuxième des choses que nous devons refuser, c'est quoi? C'est la pauvreté. La troisième des choses que nous devons refuser, c'est la médiocrité. C'est mal la médiocrité. La médiocrité. C'est mal la médiocrité. La médiocrité. C'est mal la médiocrité. La médiocrité. C'est mal, je refuse la médiocrité. Je refuse. C'est mal, je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. L'obras. Je refuse la médiocrité. Ce matin, je refuse la médiocrité. La Bible dit ceci dans Proverbe 22, au verset 29. La Bible dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Laisse-moi voir dans d'autres versions ce que ce passage-là veut dire. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas. L'obra satakaya. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, regarde l'homme qui fait bien son métier. Dans notre version, ça c'est ce qu'on appelle l'excellence, c'est mal l'excellence. Quelqu'un qui fait très bien ce qu'il fait, frère. La Bible dit, lui, il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des personnes importantes. Et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Frère, c'est la médiocrité qui fait la sienne. On entend tout le monde encourager à battre les bâtons obscurs. Battre les bâtons obscurs. Battre les bâtons obscurs. Mais l'excellence, frère. Après, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a quoi dans ma gamouse et Hazita pouvait m'abayer une maïche. Il y a quoi avec les gens qui parlent des histoires obscures. Je te transfère cette grâce-là dans les noms de Jésus. Mais ça ne signifie pas que tu dois refuser la médiocrité. C'est moi, je refuse la médiocrité. En refusant la médiocrité, cela veut dire que tu vas embrasser l'excellence. C'est moi, j'embrasse l'excellence. En embrassant l'excellence, c'est que tu es condamné à faire très bien ce que tu as appelé à faire. Tu vois, lorsque je prêche comme ça, je dois le faire de tout mon cœur comme je suis en train de le faire. Je me force de le faire. Amen, amen. Amen. Toi, lorsque tu fais le travail, tu comprends cela. Lorsque le travail que tu fais, tu le fais de tout ton cœur. Je n'ai qu'un chose. Où est-ce que tu dois avoir besoin pour communiquer Shabbat tous les jours? Amen, amen. Là, sois dans les noms de Jésus. Amen. C'est moi, je dois faire très bien ce que je suis appelé à faire. L'excellence, c'est ma excellence, frère. L'excellence. C'est pourquoi on a dit, c'est ma excellence. L'excellence. Hey, tu dois très bien faire ce que tu as appelé à faire. Vous ne faites pas très bien. Je suppose que vous êtes des danseurs. Non, pas danseurs. Oui. Hey, tu non, tu ne sais que. Voilà, je sais que vous n'avez pas ta main. Il danse, il cherche à pouvoir venir, mais chaque fois il a changé.
Pourtant, ce sont des gens qui font très bien leurs choses. Ils les font avec excellence. Après, tu vas tout faire dans le soir. Quand tu touches chez moi, tu vas te dégainer là-bas. Il y en a beaucoup, il y en a qui profanent ou matières à corona en étant chef ou bishop. C'est ma excellence. C'est ma excellence. Et pour embrasser l'excellence, tu dois refuser la médiocrité. C'est ma, je refuse la médiocrité. Mets ta main sur la tête, dis, je refuse la médiocrité. Au nom de Jésus. Et la médiocrité n'est pas seulement dans le fait de faire des choses, mais aussi dans le fait de penser. En réalité, la plupart des Congolais qui sont médiocrités, ça doit briller. Les gens sont médiocres. On vient vous tromper avec des trois choses ou des trois mots. Vous vous emballez. Au lieu de pousser votre réflexion trop loin. Mais à cause de la médiocrité, les gens, écoutez, les gens, ils hypothèquent leur avenir. Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de l'histoire d'Esaou et Jacob. Esaou qui était chasseur. Mais un jour, il est rentré à la maison, il avait fait, il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas de vie. Il n'avait pas de nourriture. Quelqu'un qui, la Bible dit, était un homme de tente, lui ne sortait pas chez lui. Jacob, lui, il avait sa soupe. Logiquement parlant, entre les deux personnes, un chasseur et quelqu'un qui était juste un homme de case et tout, n'importe comment normalement, il doit avoir des idées. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'était pas chasseur, à la voix de Chapou, il y a chasseur, il y a encore ça, niam. Il faut vous poser des questions. Moutou, en fait, parce que si tu dis cette histoire-là, et je me revenir sur ça. Jacob, c'était les gens qui dansaient le lien. On pouvait le voir, on s'est dit, mais ça, c'est un paresseux, parce que la Bible, c'était un homme de. Il ne sortait pas trop à la maison. Moi, il a dit, il avait tout qualité, mais. Lui, il comprend. Mais à quoi paresseux? C'était un gars qui travaillait avec sa tête, frère. Pourquoi tu faisais ça? Tu faisais un qualité, non, il n'y a pas faim. Non, pourquoi tu faisais un qualité, non, il n'y a pas faim. Eh, nous avons une bénédiction. Une bénédiction comme on a tout mis. Et on a bien que ça n'a mis. Alléluia. Eh, non, je disais une personne ici. Est-ce que vous savez que regarder la télé peut être une distraction pour une personne et être une richesse pour une autre personne? Moutoussa Charles Mbouya, lui passait même 24, même 30 heures de temps en train de suivre le maman qui se dit chapitre et tout. Pour moi, c'est une distraction, mais pour lui, Dieu n'en sait dire pour enchérir ses théâtres à un journaliste faux. Ouais. Parce que là, tu vas parler de l'histoire des Maradona. Lui n'a pas vécu à l'époque des Maradona. Mais c'est en suivant des vidéos des matchs de Maradona, il saura que les Maradona jouaient comme ça. Lorsque lui, il viendra comme un commentateur, il y a un match à football, il va dire que Maradona il faisait comme ça. Lui, il n'était pas là, mais il a vu. Et en suivant les vidéos des Maradona, des matchs Argentine et Nani. Ouais, il n'a pas distraction, mais pour lui, il t'a mis à ma route. J'ai pris que ce qui distrait d'autres personnes, c'est pour toi, ça soit une source de l'éducation de Jésus-Christ. Pour certaines personnes, la danse c'est une distraction, pour d'autres personnes, c'est la source de bénédiction. Eh, on en a eu un mot, mais on a déjà eu un mot, pour certaines personnes, c'est une distraction, pour d'autres personnes, c'est la source de bénédiction. Demande à Dieu! Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? C'est ma source de bénédiction ou je suis en train de faire tout le temps? Parce qu'on a un amour ou un amour chariable. Mais toi, Dieu ne t'a pas mouché chariable. Moulou, 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 moulou. Demande à Dieu où est-ce que tu m'attends? Est-ce que nous sommes ensemble? Et même pour les amis, tu dois être un homme d'excellence. Moi, je dois être un homme d'excellence. C'est quand je dois refuser la médiocrité. Et je ne sais pas où c'est ma parole. Je suis en train de déclarer sur la liste des gens qui seront placés au cabinet, à la ministre et tout. Frère, alors, vous êtes dans les gamins, tu n'es pas excellent. Alors, vous êtes dans l'esprit médiocrité. C'est ce que la Bible dit. Les personnes qui font bien leur travail seront toujours placées auprès du roi. Mais votre va faire casser bien. Bah non, pas de faire casser. Tu n'iras jamais, non? Bah non, vous êtes une pétrole, son bataille de brigade, mon gars. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une bataille de connaissances, frère. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas te démarquer.
Je vous ai donné ici les trois forces de puissance. Il y a la puissance, il y a la force physique. Les gens qui utilisent leur force physique, ce sont les gens qui sont les moins rémunérés. Bakaï, vous n'avez pas mis fin des livres. Dès qu'on va y aller dans 50 kilos à Maraï. Bitou, il n'a pas à mais vous n'avez pas à 2000-3000. Mais bon, c'est où l'on a été, même si les hommes n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, mais c'est ma 5 chiffres. Ma 5 chiffres, je vais vous dire, je vais vous dire, la tête. T'es dit que mon bureau est climatisé. Mais moi, je ne sais pas si je suis en train de faire ça, mais je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je force physique. On a une force physique qui est par rapport à la force intellectuelle. Lorsque on te demande de lire des livres, du coup, tu vas être ma statue, ou ma nini, et tu vas être ma chambre. Nous avons besoin de ma vie jusqu'à ce que ma carrière est faite. Des sortes de personnes que tu vas parler, que les gens se disent, on a touché les 8 doigts. Même les gens, c'est qui? Les gens comme ça, les gens même ne lisent pas. Nous, comme examen, mais ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas leurs notes. Dieu n'a pas dit que nous allons examiner avec des regards et pieds. Des regards et pieds. Non, non, oui, ma réponse, on n'a pas à tout. C'est pas qu'il n'y a pas de soupe. A qui fait du somme, il m'a servi tout. Non, mais c'est juste un d'angaï. Que cela ne soit pas une sorte dans le nom de Jésus. Que tu sois ce genre de personne lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler. Que les gens te disent, eh, où j'ai un chéri toi. Au nom de Jésus-Christ. Les gens de personnes qui ont dit, on a dit, toi tu ne mérites pas ce travail-là. Où il n'y a pas. Placez avec vos pas. Mais pour y arriver, tu dois refuser la minorité. C'est ma chérie, refuse la minorité. Déjà, normalement, nous, en tant que jeunes, c'est comme oui, j'ai insisté au texte pour acheter. Vu que le docteur investit en taille, à part les choses spirituelles, parce que je vais arriver là-bas, à part les choses qui sont spirituelles, nous devons beaucoup plus investir dans la connaissance. Tiens, bon, je sais, moi, je vais investir dans ma connaissance. Attends, nous dansons à peine une fois, ce n'est pas les danses. Il y a la danse et il y a la formation des danses. Il y a des livres sur la danse. Comment on investit dans ton talent, mais il y a des gens qui comprennent comment ces choses fonctionnent. Il y a des gens qui sont des professeurs. Somme, lis des choses à vous donner des nouvelles hôpitales. In fact, lorsque tu maîtrises très bien ton domaine, Doubia va aussi choper. Ah ouais, c'est chopé. Ah ouais, c'est pas bon. Lorsque tu connais bien, domaine et niveau du Tanaï, tu maîtrises ça très bien. Vous n'en souvenez rien. Même si on a pas les mains, on a dit, où est-ce que tu as pris? Mais on a dit, on a tout à fait. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'éducation formelle. On a dit, je suis un que nous aimons beaucoup. C'est un T6. Ouais. Il faut qu'on a un diplôme secondaire à l'université. Mais il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il nous a montré les gens des livres à la Soma Cabro. Mais peut-être qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre. Je vais vous dire, est-ce qu'on a quoi amener les chats pour les choses avec du PhD? Et lui-même, il a dit, parce que j'avais pas ce qu'on a ça, j'ai investi dans ma tête. C'est moi que je dois investir dans ma tête. C'est moi que je dois investir dans ma tête. Un homme de tête que j'aime beaucoup, Bishop Tutor Bismarck, ça c'est l'un des révolutionnaires du panafricanisme. Il est un pasteur. Il a un galop au panafricanisme. D'ailleurs, tu as trouvé que moi-même, je suis. Les gens qui m'ont vraiment intégré dans ça, c'est Mason Tabil, l'étude de Bismarck. Lui-même aussi, il a commencé à prêcher partout aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui nous a dit la façon dont vous, moi, pour Afrique, tout le monde a dit que donc sur l'étude de Bismarck, on a mon âme aux États-Unis. Mais les gars, ils ont tout décidé de les voir. Mais mon histoire, quand on va il s'était appliqué tout simplement à aller apprendre la grammaire. Pour son histoire aux États-Unis, il a lu des livres. Alors, quoi, décidé, mais ça n'a pas oublié avant. Non, mais je ne sais pas où tu as mal, tu as mal. D'ailleurs, il dit tout dans ses lettres, donc l'un des rares prédicateurs préférés. Ouais. Frère, vous savez que ça, c'est pas beaucoup prédicateur préféré. Ah, mais il sait beaucoup prêtre. Mais là, on voit bien qu'il a beaucoup investi dans la connaissance. Je dois investir beaucoup dans la connaissance. C'est moi, je dois investir dans la connaissance.
Parce que la connaissance aussi qui chasse la médiocrité. Amen, amen. C'est moi qui refuse la médiocrité. Et là où je vais un peu me marteler pour conclure avec le message de ce soir. Il y a plusieurs choses, comme je l'ai dit, nous devons refuser. Mais là, je suis en train de partager quatre choses. Premièrement, j'ai parlé du péché. C'est moi, je dois refuser le péché. C'est moi, je dois refuser la pauvreté. C'est moi, je dois refuser la médiocrité. C'est ma bien, je dois refuser la médiocrité. C'est ma, je dois refuser la médiocrité. Et la quatrième des choses que nous devons refuser la sorcellerie. C'est ma, je dois refuser l'influence de la sorcellerie. C'est ma, je dois refuser l'influence de la sorcellerie. C'est ma, je refuse l'influence de la sorcellerie sur ma vie. Lisons Actes Galates chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit ceci. Oh Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ok, si vous menez pas ça, je parle. Qui vous a fasciné? Moi, français, si vous ne connaissez pas les villes, tu ne peux pas vraiment tirer des bonnes choses de ces passages-là. Laisse-moi lire ça dans d'autres versions. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pas il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version. Vous avez déjà lu la force de ces passages-là. Galates chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci. Oh Galates insensé, qui vous a envoûté ainsi? Qui vous a envoûté? Pourquoi version anglaise, hein? Français courant, on a c'est mal. Qui vous a ensorcelé? On. Ce qu'il faut retenir des Galates, l'épître des Galates, l'épître de Paul aux Galatiens, c'est une épître qui n'a pas été écrite à tous les habitants des Galates. C'est une épître qui a été écrite aux chrétiens des Galates. Et là, il est en train de s'adresser aux chrétiens des Galates. Il dit qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Il y a des gens qui pensent que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, on ne peut jamais m'envoûter. Lorsque tu es enfant de Dieu, c'est que vrai, le diable ne peut pas venir en toi. Mais le diable peut exercer son influence sur toi. Les diables peuvent t'envoûter. Comme les gens des Galates ici, c'était des enfants de Dieu. Écoutez, lorsqu'on parle à l'église des Galates ici, c'est en commençant par l'évêque, le pasteur, les apôtres, les prophètes, les mamans Bajakas. Tous ces gens-là, ils étaient ensorcelés. Donc, on a ce pasteur, on a même ça, on a envoûté. Oui! C'est moi, je refuse l'influence de la sorcellerie sur ma vie. On est d'accord à parler à où là, combien de chaque fois on vous descend des savoirs? Tout le monde a fait ta série, moi, avec les seins. Il y a un peu de temps, on va vous foutre. Mais quand il y a un café, quand on vous foutre les actes, quand il n'y a pas de madame ou ça, on doit acheter la fille, on a un peu de temps, on a un garçon. Moi, je dis les filles, on va nous dire à la dame, à la dame, à la carte. Je vous dis, il va nous montrer à la dame. Tout le monde sait moi et lui. Et c'est vrai, papa, papa, on a eu quoi? Combien de gens vont ensorceler? C'est vrai, j'ai refusé le nom de la sorcellerie sur ma vie. Donc, la chacun va faire tout. Bien, on peut dire qu'on fait, mais la chacun va faire. Ah oui, à elle, comme moi, je fais. Combien de gens vont ensorceler? C'est vrai, j'ai refusé le nom de la sorcellerie sur ma vie. C'est moi, je refuse l'influence de la sorcellerie sur ma vie. Et lorsque la sorcellerie, il qu'on a quoi envoûté, lorsque tu as été envoûté par la par les agents du diable, frère, à ton fagnaï, tu ne peux jamais avancer dans la vie. Ou d'abord, la chambre, tu es toujours, parle. Tu fais toujours les mêmes erreurs. Tu as la bonne volonté. Tu veux changer.
On ne sait pas t'attaquer à rien. Mon chagrin à ma puta. Donc, on dirait au chagrin à ta chine. J'ai la sorcellerie. On a quoi dans mon projet, mais Azie d'en bas. J'ai la sorcellerie. C'est moi qui ai le fil de prendre la sorcellerie. On a vraiment des décisions, mais maintenant je vais commencer à prier. Non, là, c'est ce qu'on va bien. Mais ce qu'il dit, parce qu'il y a des sorciers qui t'ont invité. Bah, il y a où il monte. A qui on va tout, tu m'as mon côté. Donc, on a ça, on vient à couille. On a quoi dans mon vie? Kusoma Biblia ya usikiti na mbele, saa kusoma Biblia ya uchafu. Unafaa kwe. Amfutuma. Sema jale fit l'influence de la sorcellerie dans ma vie. Sema jale fit l'influence de la sorcellerie dans ma vie. Chakra sutabaya. Imagine-toi si déjà quelqu'un qui est en Christ, on peut l'envoûter. À combien de fois que raison quelqu'un qui n'est pas en Christ? Je vous ai donné cette histoire d'un monsieur. Moi, il y a des diables qui utilisaient son image pour vouloir aller violer une fille là-bas. Vous n'achetez pas la maman d'un brosse. Oui, on va parler pour ça, brosse. On utilise son image. Vous n'achetez pas la maman d'un brosse pour éviter. On a chacun à tout le monde à la chambre à couper. La personne à tout le monde à la chambre à couper. On a tout le monde à couper. On a tout le monde à couper. On a tout le monde à couper. Ou qu'on garçon, oui, relation à Zinazaki. C'est ma mère fille, le nom de la force et l'église. Il y a des églises qui sont envoûtées. Il y a des familles qui sont envoûtées. Oui, il y a des familles qui sont envoûtées. Il y a des familles qui sont envoûtées. J'étais en train de parler avec une amie. Elle a grandi dans une famille, Balbona aisance, c'est terrible ça. Elle était à l'école primaire, Balbona Mpatia. Balbona Mpatia, argent de poche à semaine, $50. Nous sommes à l'école primaire. Argent de poche à une semaine, $50. Argent de poche. Mon primaire. Jamais ma poche, ça va comme secondaire, on a argent de poche. Hein? Mais lorsque la sorcellerie s'est introduite dans la famille, aujourd'hui, mais c'est terrible. C'est terrible, j'ai dit. C'est terrible. La famille est marquée, catapultée comme pas possible. C'est ma chérie, tout le monde de la sorcellerie sur ma famille. Et les gars, je commence comme ça. Parce que c'est les serpents de Genèse qu'on ne traite pas très bien. Moi, pour qu'il n'y a pas de dragon. Lorsqu'on ne traite pas bien les petits serpents, il n'y a pas de dragon, Apocalypse. Si tu ne traites pas les problèmes de sorcellerie aujourd'hui, si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, pourquoi n'a pas de ma vie de la chétane, frère? Quand tu as un cadeau pour mes chats, tu as un cadeau pour moi. Quand tu as un cadeau, tu as un cadeau pour tout cadeau. On a chacun un cadeau pour lui. Parce que vous êtes normal, vous êtes bien, ma hair, je suis maintenant là par vous. C'est ma chère fille, au nom de Jésus-Christ. J'ai le fils de fiance. Sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses que nous pouvons réviser. Tu peux réviser comme j'ai partagé la dernière fois, tu peux réviser. Génocide de Nivacha pour imposer. Tu peux réviser ça. Mais mieux ça, c'est maintenant que discuter par rapport à la politique. Parce que les gens qui me connaissent, moi j'aime toujours traiter les problèmes à la racine. Et crois-moi, au cas de nous traiter les problèmes à la racine, Koukou la masse de Vatou dans ses mains, c'est toi, tu ne peux pas dire. Et on va te traiter même d'ennemis. Parce que c'est le problème des Congolais. Si vous n'êtes pas bien dit, allez, c'est ma famille. Vous me faites les joignes. Qu'est-ce que cela va apporter?
Vous dites, maintenant, il nous a apporté quelque chose, mais est-ce que toi, tu sais ce que tu as apporté? Donc, ce n'est pas étonnant que même nos décideurs aient aussi long fait. Ça représente la médiocrité. Mais voilà, la médiocrité, du coup, on a vraiment. Est-ce que nous pouvons nous poser des véritables questions? Est-ce que nous pouvons vouloir comprendre? Attends, on va partager seulement moi ce que je pense par rapport à cette situation. Et tout le monde, tout le monde d'accord que le problème, ce n'est pas avec le Rwanda, le problème, c'est avec les Bazungu. Tous les Bazungu, ils sont en train d'écrire des histoires là, mais ils sont des hypocrites. Crois-moi. On, Kusema, on a beaucoup de gens sont lâches. Demain, là, tu m'appelleras, tu t'en fais ce qu'ils aiment au Rwanda. Parce qu'ils savent qu'on ne s'accompagne pas dans l'état civil. Si tu m'as tout pour lâche, Kagame, tout pour lâche. On a même pas à expliquer. Mais en fait, la véritable chose à savoir, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons commencer à nous préparer pour combattre les abus. Ça sont des vrais débats et les gens ne veulent pas réfléchir par rapport à ça. Déjà, la première des choses, là, c'est ma connaissance. Connaissance. Hein? En termes de connaissance, eh ouais, pourquoi différence quand ça taille à 5000 ans? Mien avant toi, mais pourquoi si nous t'accompagnons à voir? Avant de vouloir bien gagner ce combat-là, investissons dans la connaissance. C'est ma investissons dans la connaissance. Tout pour vous, c'est vous pourri. Quand tout pour vous, c'est vous pourri. Parce que c'est déjà là qu'on manipule à l'air gris. On a un chéri qui s'y voit pas. A quelqu'un dans le président. Ou t'as chacun la manipulation à part de biographie et des voyages. Naba Congolais, on a dit ça, on a manipulé, ça va bien, non, on est chéri de l'Inara. Est-ce que nous sommes ensemble, chers amis? Ici, nous sommes à la grande nation. Ici, on ne traite pas les problèmes comme tout le monde. Ici, c'est la grandeur. C'est dans la grandeur. Nous ne sommes pas obligés de regarder les choses comme toutes les personnes. Je vous ai dit, ici, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et les hommes et les femmes de foi, Dieu les distingue et les place au-dessus de la foule. Tu ne peux jamais être au-dessus de la foule lorsque tu vois les choses de la même manière que la foule. C'est ce que je vous ai prêché, allez écouter les messages. Est-ce que nous sommes ensemble les greatness? Et, n'a pas parlé de secret, mais quoi, n'a pas été géré tout sur ça. Mais quoi, n'a pas été un aléo. Mais c'est parmi les consignes qui m'écrivent. Ou qu'il n'y a pas de téléphone là, non. Réfléchissez à comment c'est quoi, il faut une dépoussée. On est là. Mais avant qu'on ait des décisions finales, où je rassurerai, est-ce qu'il est vraiment le bon endroit qui a des résultats et des icônes palpables, surtout sur le long terme? Quand est-ce qu'on a un résultat palpable sur le long terme, tu peux le suivre. Par exemple, comme Jésus, on est en train de dire, on a fait la Jésus, 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 donc faut non. On est là. Résultat sur le long terme, ça porte. Mais si tu vois que si le long terme, il n'a pas fait à tout, mais sur le long terme, ça n'apporte rien, qu'il y a. Et sois prêt à recevoir les pierres. Parce que lorsque tu vas décider à voir les choses autrement, on va te traiter des noms. Prétentieux, traître, Mounawanda, blablabla. Parce que tu décides de ne pas voir les choses comme les autres personnes. Et la plupart des gens qui ont changé l'histoire, la plupart des gens qui ont révolutionné, ce sont des gens qui ne regardaient pas les choses comme tout le monde. Les gens qui ont porté la solution au problème de l'humanité, ce sont des gens qui ne regardaient pas les choses comme tout le monde. Entre nous, je reviens et là je suis en train de conclure avec le message de ce soir. Qui de la période de Moïse pouvait accepter de quitter la maison de Pharaon pour aller vivre avec les esclaves? Demande la plupart de nos présidents. On est en train de voir au Sénégal là-bas le président. Il était resté au pouvoir. C'est pas facile de quitter le palais royal. Mais lui, Moïse, il a quitté. Et le fait de quitter, je suis en train de parler de son nom, mais le roi là, je ne connais même pas son nom. Mais Moïse, il est là, parmi les gens, l'un des plus grands prophètes. Lui, il a vu Christ.
Comment quelqu'un a vu Christ? Christ, il est béni. De millénaire à faire. Écoutez, il n'était pas attaché dans sa génération. Les gars, il était en avance très très long par rapport à sa génération. J'ai pris que c'est là quand on partage dans les noms de Jésus. Mais c'est l'être parce qu'il a refusé certaines choses. Lève-toi, nous allons prier. C'est moi, je refuse. C'est moi, je refuse. C'est moi, je refuse le péché. Il ne va pas le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça la racine de tous les problèmes ici, dans les nécessités. C'est moi, je refuse le péché. C'est moi, je refuse le péché dans la vivacité. La façon dont tu es en train de dire, Zambi, c'est déjà quoi, Mouez, qu'on a coûté au nom de Jésus. C'est moi, je refuse le péché. Alors, prie en bataille, mais refuse le péché. La brazouta, maïa, je suis en train de refuser le péché. La brazouta, mananga, la ramadia. Je refuse le péché. Je refuse le péché. Je refuse le péché. Je refuse le péché dans ma vie. Je refuse le péché sur la greffesse. Je refuse le péché dans ma famille. Je refuse le péché dans mon entourage. Je refuse le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse le péché. La brasse tabala la bachapa. Il y a quelque chose d'héréditaire. Je refuse le péché. Il y a quelque chose que j'ai appris par une enfant. Je refuse le péché. Au nom de. Au nom de. Après les péchés, nous avons dit que nous sommes appelés à réviser la pauvreté. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier, mais je vous ai dit ici, Kousseman, au royaume de Dieu, Kousseman, vous quittez pauvreté. Tu dois respecter les principes. C'est moi, je dois respecter les principes du royaume de Dieu. C'est moi, je dois respecter les principes du royaume de Dieu. Et pour avoir dans le royaume de Dieu, tu dois être fidèle dans les dîmes. C'est moi, je dois être fidèle dans les dîmes. Tous les patriarches, cela nous avons dit de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et son fils, c'est ceux déjà qui donnaient leur dit. Dieu a quoi nous aider? Beaucoup de gens vont dans ma parce qu'ils ne payent pas leur dit. Nous avons un cas et nous avons un salaire à l'île du sable. Mais en tout cas, ça signifie qu'à dévorer la gagne à Zipoula. Pour voir qu'on peut se progresser, pour voir qu'on. Parce qu'il ne paye pas sa dîme. Parce que l'une des vertus de la dîme, c'est que Dieu te protège des dévoreurs. Non seulement te protège des dévoreurs, donc là, vous allez débattre à la créer de la mampope et c'est qui. Dieu, on a tant qu'on a 1000 dollars, mais 1000 dollars, on a fonctionné sans tout, mais on a 100 millions de dollars. Vous n'avez jamais trouvé des subalternes, mais vous avez dit, ça va bien dans ma poste, ça va bien dans ma femme. Ça, c'est l'un des avantages à ma dîme. À Paris, je vous ai dit, même le dimanche passé ici, c'est donner des sacrifices. Je vous ai dit, l'argent représente la sueur. Et la sueur n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction en Genèse. Tu mangeras la sueur de ton front, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Lorsque tu prends, tu viens, tu sèmes. C'est ma femme de bâtir, je vous ai donné ici. Et puis, n'attendez pas, il va dire ma femme de bâtir. Pourquoi la Syrie, qu'a oué? On a l'aide à 100 dollars, on a l'aide à 200, on a l'aide à 1000 dollars. Moi, c'est rica. Alléluia. Le fait que tu mets ça, il n'a perturbé le roi, il n'a perturbé les cieux. Il n'a foutu la mine sur ta vie. Dieu n'a pas encore petit, mon enfant, il n'a pas à vous poser chaman. La bénédiction de l'Éternel enrichie ne se fait sur aucun chacun. Parce que déjà, lorsque tu n'as même pas d'argent, le fait que tu es en Christ et que tu crains Dieu, il y a des gens qui ont l'argent, ils vont beaucoup pas, parce qu'on va ça madame, voilà, là, qui vient, va chapana, va tout. On est là, on va. Ça, ça. En fait, il a un mot, au passage, je t'appuie. Il faut que je t'appuie pour niveau et il faut qu'on a ma puta. A ce qui est méchant, tout pour avoir pillé, ni un ami, ni pas de le côté ni. Alors, tu vas prier pour que les mères respirent la pauvreté. Il est prié pour que tu sois la pauvreté. Respire, respire. Oh, la chaka, baba, baya, la 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 la. Je refuse l'esprit de pauvreté. L'or est l'esprit de la mandat. La brasse ou ta arrête quand nous sommes dans l'eau de la chibra. La brasse ou ta babababaya. 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 Je refuse la pauvreté. Je respire la pauvreté dans mon entourage. Je respire la pauvreté. Oh non!
Sakatala la Bacha. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. La troisième des choses que nous allons refuser là, c'est la médiocrité. C'est ma la médiocrité. C'est ma, je refuse la médiocrité. Je refuse de toujours avoir en dessous de la moyenne. Lui, il est déjà très fort pour la couleur de l'école. Il va donc banane et naïsal. Tu vois ce qu'il a fait? C'est lui qui avait même le logo de l'église. Tout ça, il a même la vidéo, il est quoi pour ailleurs. C'est lui qui travaille sur ça. Mais il n'était pas là où il est. Comment je donne des fichiers et des nids? Naïm, il n'y en a pas mal recherché ça. Parce qu'on vise l'excellence. Amen, amen. On vise l'excellence, président. Et l'excellence ne veut pas dire avoir beaucoup de moyens. Non. L'excellence, c'est faire le meilleur avec ce que tu as. Dieu m'a mis vraiment cette journée d'Afrique pour me dire petit, ça va loin, là et ça. Dieu, nous avons beaucoup d'argent d'esprit. Pour le moment, nous n'avons pas tout agi de lui. Même si on a fait de répéter là où nous sommes en train d'aller au nom de Jésus-Christ. C'est moi, je refuse la médiocrité. Tu brilles en bataille, les mains, je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. La tata la baya. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Aïe, la bachata kaya. Je suis en train d'embrasser les gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, la bachata baba 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 baya. Les cousins mandés et les cousins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Et par la fin, nous allons refuser la sorcellerie. Beaucoup de gens sont victimes de la sorcellerie. Hey. Beaucoup de gens les ont déjà jeté des sorts. D'ailleurs, pour le Seigneur, c'est marrant, car la Bible nous a jeté un sort. Il y a des gens qui ont déjà jeté un sort. Nawayou, ça, on est à quatre assis les sorts. C'est quoi dans ma famille? C'est quoi dans la vie? Vraiment, on peut tenir. C'est quoi dans l'autre où tu as un acteur dans les boules? Ouais, les zikas, parce que tu es enfant de Dieu. Si ta tactique et les diables n'auront pas d'amour sur toi, prends l'autorité. Si tu ne veux pas prier, va les mains. Refuse la sorcellerie. Refuse un peu de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de refuser l'influence de la sorcellerie. Tous les sorts qui ont été jetés, je refuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse à la rabatra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse les sorts, les emboutements, la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens de la sorcellerie, nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chararanaba Sipra. Lela la rabalarama Chapra. Shiba la rama Sipra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, influence satanique, sorcellerie, je t'écris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Avant que nous puissions passer à une autre étape, à l'autre étape ici, je vais donner l'occasion à une personne qui est ici qui a fait le message. Mais n'a jamais donné sa vie à Jésus. On n'a pas tiré qu'à vous, on a galère, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Nos têtes sont baissées. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, tu vas seulement lever ta main là aussi. J'aimerais prier avec toi. Je vais t'aider. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ce soir tu peux donner aussi ta vie à Jésus. Tu vas lever ta main là aussi. Et nous allons t'aider.